Vous arrivez à Coconut Drive, c'est vers le sud de Miami. Il y a encore des coffres. Mm-hmm. Il y a. Alors, c'est une tour avec tous les condos qui ont des espèces de terrasses extravagantes qui se superposent les unes les autres. Mm-hmm. Donc, c'est terrasse sur terrasse sur terrasse, tout en diagonale. Et, apparemment, chaque terrasse a une petite piscine. En verre transparent intégré où tu peux voir les gens nager depuis en dessous. Et c'est là vraiment le truc de luxe quoi, il y a de la thune là-dedans. Et puis tout autour de la base du building, il y a un hologramme, une bande holographique de la police qui fait crime scene, do not enter, et ça tourne. Alors ok, alors je vais m'approcher. Oh, je me sens mal, je vais vomir. Ça va coûter un average de plus. Mais que faites-vous, cher aventurier? Pardon, cher... Non, moi je m'approche de la scène du crime. Et tu deviens un criminel. Et je... Moi je suis parce que je suis sur garde du corps. Moi je reste dans la voiture parce que je vais être incognito et pas être mêlé aux emmerdes. Moi je reste dans la voiture et puis je mets Yokai aux commandes du machine gun. Yes. Comment ça se pilote en fait? Bah là tu peux. C'est quoi ce bouton? Puis là tu peux improviser. Non. Mais tu veux pas plutôt aller derrière puis continuer de bricoler à la drone en fait? Bah je sais pas, on a pas commencé. Je m'approche du policier qui garde le truc et je lui tends une carte de visite. Sam Spade, investigateur privé. J'ai été mandaté pour investiguer sur cette mort. Est-ce que vous me laissez jeter un coup d'œil? Ok, fais-moi un jet de deceive, s'il te plaît. Tu vois depuis l'extérieur qu'il est en train de parler à un flic, ouais, mais tu entends pas la conversation. Ouais, mais t'entends pas tout, tu l'as quand même enclenché le comlink. Ou bien ils sont toujours enclenchés en permanence, vos comlink? Bah ouais. Ça c'est une bonne question. Ouais. Est-ce qu'ils sont toujours enclenchés en permanence, vos comlink? Oui, ils sont ouverts. Puisque tout à l'heure, t'étais pas là MJ, mais tout à l'heure on parlait par comlink avant qu'ils viennent me chercher. Ah non, d'accord. On parlait après qu'on est venu te chercher, mais c'est vrai. Non. C'est vrai. Non. Ouais, on s'en fout. C'est vrai. Ok, donc c'est ouvert. Ok, ouais, bah alors tu t'entends la conversation. Ok, ça marche. Alors donc, fais le jet correspondant en JM, JM Throw. En deceive. Deceive. Ah, ouais. Sam Spade, c'est deceive. Deceive. Hein? Ok, donc là, le temps s'arrête, Sam. T'es en train de faire ton bluff, t'essayes de le convaincre que t'as été mandaté et qu'il devrait te laisser passer. Le temps s'arrête. Alors, Sam, ça suffit, en fait. Ok. Ouais. Sam, tu vois le flic en face de toi, tu vois qu'il allait ouvrir la bouche, il a fait... Ouais, bien sûr. Mais oui, comment j'ai pu oublier ça? Et puis il te laisse passer. Ah. Tu. Il me laisse passer, moi? De la main. Ouais, tu passes avec, ouais, t'es le gars. Bien sûr, on passe avec moi. Putain, t'es cool. Hyper bon. Alors. J'aimerais. Oh, tu ne veux pas bosser sur la drone, toi? Quoi? Quoi? J'ai rien entendu. Tu ne veux pas bosser sur la drone, toi? Je dis. Bah, je sais pas, donne-moi du boulot! Bah là, derrière, il y a toutes les pièces, c'est démonté. Ouais, mais alors, attends, la drone, elle est quand même comme ça, hein. Je pense qu'il faudrait un endroit, un hangar ou quelque chose comme ça pour y bosser dessus. Ouais, puis bagnole, c'est pas idéal. Je puisse tourner autour et puis tout, j'ai pas fait ça dans le coffre de ta bagnole. Je passe le... Bah, tu viens de te rappeler. je passe le flic et là, je fais un peu à la Colombo, puisque... Tu parles de ta femme? Non, je fais... Ah, monsieur l'agent, j'ai oublié de vous poser. Est-ce que vous avez déjà pu formellement identifier la victime? Bah oui, bien sûr, c'est l'as de pique. Qui pique ton cœur? L'as de pique.
Qui te reste star, cœur. Star à cœur, l'as de pique. Ah, l'as de pique. Juste pour confirmer. The Ace of Spades. The Ace of Spades. The Ace of Spades. Pardon. Oui. Oui, et surtout, je suis Sam Spade. Donc, ça tombe bien. autre question. Donc, j'aimerais un peu. J'ai en fait dans ma veste, dans mon Private Dick Futur Noir, un laboratoire forensique miniature dedans. Et je l'ai augmenté d'un toolkit avancé. Donc, j'aimerais un petit peu faire. Relever des voir s'il y a de l'ADN à alors là relever pour l'instant vous êtes encore en bas de la tour hein. Ils t'ont laissé passer par un flic. D'accord, alors je vais me il te dit c'est au 42e. D'accord. Attends. Dans l'intercom là, on te dit, tu veux pas nous faire passer pour ton équipe de forensique, des chimistes qu'on vient de te donner. Oui, exactement. Hein, je vous fais venir avec. Très bien. Le mec, il tire un peu la gueule de voir autant de monde entrer. Je peux avoir des identités pour tout ça. Bien sûr. Et moi, c'est le lynx. Le lynx, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, le lynx. J'ai déjà entendu votre nom quelque part. Et vous, c'est qui? En regardant Yokai. Moi, c'est Bill Murphy. Bill Murphy du laboratoire. Moi, vous n'allez pas entendre parler de moi. C'est vrai que vous avez l'air d'un push-crayon, hein, c'est vrai. Ok, bon, ça passe. Merci. On sera pas long. Hein. Bon, ben on monte. Okay. Bah ouais, on monte. Hop. Yokai. Yo. D'accord. Yo. Tu vas essayer de gagner l'accès aux enregistrements vidéo sur le gars. D'accord. Qu'il y a eu du lieu. Vu que c'est un truc de luxe, il doit avoir des caméras de sécurité. Ouais, ok, je m'occupe de ça. Steve. Tu vas essayer Z. Z, il doit avoir des gardes privés de sécurité dans ce genre d'endroit, d'accord? Ok. Essaye de taper la causette pour voir un petit peu, pour tirer des infos sur le lieu, sur le gars, ce qu'on peut trouver. Ok. Le lynx... Essaye de pas nous foutre de la merde. C'est pas bon. Va chercher tes boîtes de croco. Carre-toi là où je pense. Non, mais ton drone il est pas prêt. Hein. Mais non, mais moi aussi j'ai un forensic kit donc je peux t'aider. Ouais, parfait. Bah, tu m'assisteras. Il y aura peut-être un deuxième site à regarder. Hein. Et ouais. Bah, il y a de bonnes chances que ce soit la même chose que... Tu verras, je vais trouver des trucs. Parfait. Le suspense est à son paroxysme. Donc, on monte au 42e... On monte au 42e étage. Ouais. Le but, c'est que le lynx et moi, on... Ouais. Voilà. On veut faire des recherches. Lynx, il veut essayer de fouiller l'endroit. Moi, je suis intéressé de faire des relevés... de police type forensics. Moi je vais taper la discute avec quelques vigiles qui sont par là, si j'arrive à choper des infos. Ok, ouais. Vous arrivez au 42e étage. Ce que vous voyez en sortant de l'ascenseur, c'est directement le condo. Il y a des flics, il y a déjà une équipe forensique des flics qui est là sur le terrain. C'est composé en fait d'un assistant technique laboratoire et de 5 probes qui scannent 3D la pièce et qui prennent des échantillons en volant un peu de partout comme ça. Et donc là vous avez
Bon, maintenant, le hacker, il est plus là. Hein. On voit juste sa place de travail avec... Il y a 6 écrans superposés, comme ça, en demi-cercle. Et puis, on voit qu'il y avait un ordinateur. Il y a tout un tas de câbles. Toi, spécialement, Florian, tu vois qu'il y avait 2 ordinateurs qui étaient installés. D'après les câbles, comment ils sont... Mais les ordinateurs ont été enlevés. Les câbles arrivaient à 2 endroits, se concentrent en 2 endroits, mais les ordinateurs ont été enlevés apparemment par les flics. Et en fait, voilà, sinon, il n'y a pas grand chose. C'est un appartement de luxe avec une terrasse avec piscine, comme les autres, au 42e étage. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Moi, je vais essayer de me lier d'amitié du coup avec un des flics qui traîne par là, qui est un peu là pour surveiller. Je vais faire un jet d'empathie, si tu permets, MJ. Non, empathie, c'est le spot de l'esprit. Ce qu'il faut pour ça, c'est rapport. Ah oui, alors je fais rapport, c'est le même niveau. C'est moyen. Ah, ok, on peut replier ça. Ok, j'arrive, je demande comment ça va. Alors les gars, ça taffe, hein, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé là. Vous êtes civil, vous, hein? Moi je suis avec Sam Spade, là, le détective qui est chargé de l'enquête, qui a été mandaté pour l'enquête. Ouais, moi je fais mon boulot, toi tu fais ton boulot. Et puis il tourne la tête. Ok, ouais, je vois que j'arriverai pas à faire grand chose et j'insiste pas. Moi j'aimerais. Je prends une cartouche comme ça dans la main et puis je commence à la faire tourner et puis je me dis si moi j'étais dans cet appart et j'aimerais planquer quelque chose, je planquerais où? J'utilise mon stunt No one checks ever there. Ouais, mais wow. C'est un stunt pour... C'est bien, mais t'as pas besoin d'utiliser le stunt parce que ton stunt c'est planquer quelque chose, c'est pas pour trouver quelque chose, faut pas l'abuser. Ouais, hein. Je sais, ouais. Mais t'as un instinct de smuggler qui est quand même négligeable. Ouais. Genre, donc... je me dis, je check le sol, s'il y a genre une étrape, je regarde sous les tiroirs. Ouais, donc toi tu serais de toute façon bien où sont planquées les choses. Est-ce que tu pourrais me faire un jet de burglary, s'il te plaît? Volontiers. Ok, ouais, ça passe. Donc là, en fait, tu remarques que sur le mur, si tu veux, il y a des masques africains. Mm-hmm. Et il y en a un qui a l'air un petit peu trop près du mur par rapport aux autres. Les autres, tu vois qu'ils ont été fixés, mais c'est 1 mm, 2 mm de différence, mais toi, tu l'as repéré. Ok. J'utilise un moment parce que les gens sont occupés à faire autre chose. Examiner ce masque, regarder ce qu'il y a derrière. T'aimerais le faire sans que les gens le remarquent ou bien ouais. Tu fais pas attention? On peut faire une diversion, Lynx. Ouais, faites-moi une diversion, je dis. Ouais. MJ, moi j'aimerais utiliser ma capacité spéciale Power of Detection. Je lis la capacité, après je te dis un peu ce que je fais. Once passing, you can spend a fate point and a few minutes of observation to make a special investigate roll representing your potent deductive faculty. For each shift you make on this roll, you discover or create an aspect and on either the scene or the target of your observation. So you may only invoke one of them for free. Ok, ça marche. Voilà. Je passe du temps à essayer de ouais, regarder les détails de l'endroit et tout. Cool. Tu dépenses un fate point. Aux autres. Yep. Tu dépenses un fate point. Ouais. Et donc les autres. D'ailleurs, j'en ai trop. Tout le monde, vous entendez un murmure du lynx qui dit essayez d'attirer l'attention des gars qui sont du forensic.